Allô. Allô, l'an 2000. Allô, ici 20 janvier 1931, premier anniversaire de La Voix des Nôtres. La Voix des Nôtres, oh oui, ce coffret à manivelle que vous avez déniché dans le bahut de votre grand-père, ces petites galettes noires et plates, c'est La Voix des Nôtres. Certes, vous êtes mieux outillés que nous, vous autres de l'an 2000. Par avion, vous faites le tour de la Terre en quelques jours, en quelques heures peut-être. Et sans même qu'il soit besoin de vous déplacer, vous participez à des congrès mondiaux qui sont visibles et audibles de partout et qui pourtant ne siègent nulle part. Un bouton sur lequel vous appuyez et vous entendez, vous voyez vos camarades de Chine d'Amérique comme s'ils étaient à quelques mètres de vous. Et vous voici dans l'instant même à une tribune qui retentit dans le monde entier. Demain, suivez-les un peu par la pensée, vos camarades d'aujourd'hui. Le chômage et la misère frappent périodiquement à leur porte. La guerre les a meurtris. Ils savent que sur la route de la liberté, de la paix, de la justice sociale, les étapes sont dures et rudes. Pour qui œuvrent-ils donc? Pour que vous puissiez réaliser pleinement le rêve que nous avons rêvé. De l'an 2000, dites-nous bien vite, très près, la misère n'est plus, la République sociale est proclamée, le travail est souverain, la guerre est morte, les peuples sont déclarés la paix et le rouge drapeau de l'international claque joyeusement au vent d'un bout du monde à l'autre bout. Homme de l'an 2000, le socialisme militant salue le socialisme triomphant.